Au sommaire d'une semaine à Verrières. Le vote par procuration. L'initiation au Bicross. L'agenda. À voter. L'élection présidentielle aura lieu le 23 avril et le 7 mai. Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si des obligations vous tiennent éloigné de Verrières, le vote par procuration permet de vous faire représenter par un électeur de votre choix. Celui-ci doit être inscrit dans la même commune que vous, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote. À voter. Pour déposer votre demande, vous devez vous présenter en personne au commissariat ou au tribunal d'instance de Palaiseau, muni d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile et des coordonnées et état civil complet de votre mandataire. Si vous avez un ordinateur et une imprimante, vous avez la possibilité de remplir la demande en ligne sur monservicepublic.fr, puis d'imprimer la procuration et le formulaire complété que vous n'aurez qu'à déposer au commissariat ou au tribunal de Palaiseau. Attention, ni la mairie ni la police municipale n'est habilitée à recevoir les demandes de procuration. Déjeuner du maire autour du thème du commerce de proximité, samedi 22 avril, entre 9h et 11h, au Préau. Rendez-vous au restaurant Le Borsalino. Entrée libre, ouvert à tous, préinscription recommandée auprès du service communication. Le marché d'art revient au centre-ville avec l'artiste Patricia Kuna et son installation Umbrella Sky. Samedi 22 avril, de 10h à 18h, dans le centre-ville, entrée libre. Repas italien du CCAS. Mercredi 26 avril à 11h30, inscription au CCAS au 01 69 53 78 00. Dans votre prochaine semaine à Verrières. Les vacances de printemps.